الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Oh, vous les musulmans, vous les croyants, le jeûne vous a été prescrit comme il l'a été au peuple d'avant vous, l'objectif étant que vous puissiez atteindre la piété. Durant le mois de Ramadan, nous savons tous que nous avons des actes à poser, nous avons des pratiques à faire pour non seulement avoir les mérites de Ramadan, mais aussi pour bonifier davantage notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est dans ce cadre que s'inscrit le Qiyam al-Layl. Avant le Qiyam al-Layl, les 30 jours ou 20 jours durant, nous allons avoir les prières de Tarawih que nous allons prier soit en groupe, soit de façon individuelle pour augmenter notre pratique religieuse, pour augmenter les occasions, profiter de toutes les occasions que nous pouvons exploiter pour avoir des bénédictions, pour avoir la baraka d'Allah pour notre vie ici-bas et dans l'au-delà. Mais les 10 derniers jours de Ramadan ont ceci de particulier qu'ils renferment Laylatul Qadr. Laylatul Qadr est khayru min alf shahr. Donc Laylatul Qadr, qui est une nuit qui vaut 1000 mois d'adoration. Qui ne veut pas bénéficier de 1000 mois d'adoration, plus de 80 années d'adoration, si nous savons que nous sommes assez jeunes et peu d'entre nous vont atteindre cet âge-là, mais nous pouvons avoir chaque année une 80aine d'années d'adoration si nous travaillons à obtenir les lettres cadres. Et comment obtenir les lettres cadres? C'est dans ce cadre-là que s'inscrit les prières de Qiyam al-Layl. Parce que nous avons conscience que les lettres cadres se trouvent dans une des 10 dernières nuits de Ramadan. Et les 10 dernières nuits de Ramadan, nous allons moins dormir et nous allons plus nous adonner à la pratique religieuse. Surtout à travers la prière. Dans nos mosquées sont organisées cette prière de nuit pour faciliter la pratique à l'ensemble de la communauté des musulmans. Mais il n'est pas fait obligation d'être à la mosquée pour s'adonner aux pratiques religieuses. Vous pouvez être à la maison en train de lire le Coran, en train de prier, de faire des rakat, en train d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, en train de réfléchir, de méditer sur la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur les valeurs que nous avons dans la vie. Et tout cela nous permet de profiter de l'Laylatul Qadr que nous devons rechercher avec toutes nos forces. Si vous ne pouvez pas prier en groupe, vous pouvez le faire seul chez vous. Si vous êtes en situation où vous ne pouvez même pas prier, surtout pour nos sœurs qui seront pour d'autres en situation de masri, de lochi ou de règles, c'est des moments également qu'elles peuvent mettre à profit pour zikrer, pour rappeler, faire l'évocation, évoquer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour faire des œuvres de spiritualité, pour aider à servir l'été à la mosquée ou à préparer donc la bouillie pour ceux qui sont en veille. Donc toutes ces pratiques-là, nous les faisons parce que nous sommes conscients qu'avoir les lettres cadres, ça nous donne tellement de bénédictions qu'il nous est interdit d'être paresseux, d'être ennuyant durant cette période de grande abondance de spiritualité que nous devons tous nous attacher. Donc c'est prier à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il facilite pour vous et pour moi la recherche de la nuit du destin, la nuit du destin qui est chère à tout musulman. Et c'est notre occasion à nous, puisque Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné ce Ramadan et nous ne savons pas combien d'autres Ramadans nous allons avoir, c'est de profiter de ce Ramadan comme si nous étions dans notre dernier Ramadan, de sorte que même si Dieu nous donne d'autres Ramadan, que nous soyons dans cette même ferveur de spiritualité, parce que nous l'aimons, lui Allah subhanahu wa ta'ala, nous sommes soumis à lui et nous voulons qu'il nous aime et nous travaillons à nous rapprocher davantage de lui, car la facilite pour tout un chacun. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ramadan.